Précédemment dans SMVD, on affrontait Rennes, une équipe 2D1 dans les quarts de finale de la Coupe de l'Orme. Après avoir ouvert le score assez rapidement dans cette rencontre, on aurait pu doubler voire tripler la mise avec de nombreuses occasions. Malheureusement, le score en reste là. Qualification pour les demi-finales. Du Bergibus ouais ouais ouais. Salut les gars, bienvenue dans SMVD 35. Ce week-end, on va suivre l'AB dans son deuxième match de barrage. Le vainqueur de ce barrage finit en Détroit. Donc c'est vraiment une finale à jouer en espérant qu'il y ait pas mal de supporters pour foutre l'ambiance comme dimanche dernier. Merci pour tous vos commentaires d'ailleurs sur la vidéo. On suit un peu l'entraînement ce soir avec les gars. Bon les gars, j'allais commencer l'intro et vous venez de le voir. Il y a Enzo, un petit jeune du club qui s'est blessé. Du coup, on va voir ce que ça donne, mais je sais pas du tout ce qu'il a fait, mais je crois que c'est un petit problème de cheville. J'espère que c'est pas trop grave. Mais bon, fait chier quoi. La cheville a tourné quoi. Je sais pas si c'est cassé ou j'ai pas été voir. Je vais vomir. Mais le pied, il est. Voilà. Ouais. Vous réclamiez l'entraînement dans les commentaires. Malheureusement, même quand je viens, il n'y a pas d'entraînement. Je finis ce que je disais dans l'intro, il y a aussi le match de la première au même endroit. On a cette chance de jouer du coup sur terrain neutre le barrage au même endroit que le match de la première en livre. Oh putain, c'est que il m'a coupé, je vais le démonter. Le terrain, je vais le démarrer. Il pue la merde là-bas. Mais vas-y en plus pour dire de la merde. Mais... Bon, avant qu'il me coupe, je vous disais qu'on a la chance de jouer sur terrain neutre du coup. Le deuxième barrage contre Tingebré et on le joue au même endroit que joue la première, son dernier match de championnat. Enlevé de rideau. Je sais pas si j'ai été clair, mais bref, la B joue à midi et la A joue à 15h. C'est ça ? Et tu vas voir les deux, toi ? Et je vais voir les deux. Mais je sais pas encore ce qui va être dans l'épisode. Est-ce que je filme les deux matchs complets ? Est-ce que le match de la A, ça va être qu'un résumé ? Mais le match principal, c'est la B, puisque c'est là qu'il y a de l'enjeu. Voilà, fin d'entraînement. Un guerrier, ce mec-là, un guerrier. Bon établissement, Enzo. Voilà, super. Gros match pour l'AB puisqu'on est au barrage. Je vous avais prévenu, j'ai une petite mine puisqu'hier j'étais de mariage. Donc évidemment, j'ai une gueule un peu de fracassé. Faut pas falloir m'en tenir rigueur. Regardez le capot, il est déjà chaud. Voilà, aujourd'hui, bordel. Et aujourd'hui, on espère la montée de l'AB en Détroit pour l'année prochaine. Échauffement des gars et puis après, place au match. Un petit bordel en tribune pour remercier évidemment les gars de l'AB la semaine dernière qui ont foutu le bordel en tribune pour le match de la première. No!
Dommage, grosse casse de but là. Il nous a mis un but, je sais pas d'où il sort ça, mais... Oh, t'as mis une frappe là-dedans, le coach.
faire là, une mi-temps, 45 minutes. Allez, 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 bon les gars, début de reprise de la deuxième mi-temps, on espère une suite logique du match, beaucoup d'action avec plus de buts, plus de réalisme devant le but, et nous on va reprendre le bordel en tribune, c'est parti. T'aurais pas dû perdre tes 15 kilos, Colin! T'aurais dû garder tes 15 kilos! Santé! Montréal DP! Je suis ouvert, allez, allez! C'est la rentrée de l'année, mon gars, c'est maintenant. Il faut l'enlever, on le fait quand même. Très bon début de deuxième, franchement. On ne peut pas rêver mieux. La montée en Détroit se rapproche que d'émotion. Anthony, c'était mon coach quand j'étais gamin, que j'avais 7-8 ans, le coach Anthony. Laisse marquer, gardien, si t'es gentil, laisse marquer.
fin du match, les gars. On gagne ce barrage 3-0. Magnifique. Magnifique, magnifique. Deux montées, Régis, deux montées. Jamais vu. Exceptionnel. Jamais vu ça. Exceptionnel, les mecs. Deux montées. C'est fou ce qui se passe. Incroyable. Deux montées. On va en D1 et on va en D3. Il manque plus que la finale de Coupe de l'Orne. C'est une saison fantastique. Benjam, un mot sur ton match. Allez, Saint-Etienne. Allez, go! Je suis désingué d'hier. Maintenant, retourne le vestiaire, ma poule. Bon les gars, maintenant place au match de l'équipe première. Et pour ce dernier match de la saison, on change les postes, on va tirer au sort les postes. Donc chaque joueur tire au sort, Boulif peut être numéro 9 et Clément en gardien par exemple. Donc on va suivre le match de la première. Après un petit sandwich au barbecue, impeccable. Regardez-le. En vrai, tire. Gros match. Brice sans branle. Clean sheet. Brice sans branle, c'est ça. S'il prend plus de 2 buts, il se rase la tête comme moi. Thomas, c'est bon ? Non. Si. Bah, il n'y a pas de tablette, ça marche pas. Du coup, on fait les feuilles papier à l'ancienne. On attend. Les gars, du coup, je vous préviens maintenant pour le match de la première. Évidemment, je vais avoir beaucoup de boulot avec le match de la B. Donc, le match de la première, ça va être des petits condensés, des très bonnes actions ou des pires. Avec Thomas au goal, Boulive en 9, Damien à gauche, etc. Vous avez vu les postes qui sont bien changés. Vous attendez pas à un match de 20 minutes de l'équipe première. Alors, comprenez-moi. D'ailleurs, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage. Allez, notre numéro 11. Bon, place au match maintenant, du coup, de la première. Comme je vous ai dit, ça va enfin commencer. Thomas, merde! Thomas, Boulive, il a celle-là! Bon, bah, 1-0 pour écoucher, du coup. Allez, Boulive! Allez, Boulive! Eh Bouli, bien défendu! Oh la vache! En plus là, il y a un peu de pluie là, ça fuse un minimum. Ah Bouli!
Bouliv, il l'a mélangé. Oh putain, Boulif, pas loin de mettre le but, pas loin de l'exploit. On est frappé. Oh, elle est bonne. Dommage. Dommage, bien joué. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Thomas, dommage, il est pas gardien. Allez, Boulif, allez. Oh non, Cédric, il est excédé. Cédric, t'en penses quoi de ton frangin? Il est nul. Oh, dommage. C'est la fin du match. Boulif, il a mangé la feuille de match. On aurait pu gagner ou faire match nul, mais bon. Bien joué à Thomas, belle performance au gardien, pas mal. Bon, bah défaite, mais c'est pas grave. C'était un bon match à voir, franchement super cool. Ça a bien joué au football, dans une bonne ambiance, nickel, impeccable. Bon, maintenant on va aller boire un coup. Amoureux, ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Hé Clem, il parle tout seul le collègue. Bah regarde, gardons. Il est champion, mais il parle tout seul. Oh, tu... Hey, Ben! Tu parles tout seul! Tu parles tout seul! Ah ouais! Oh, Bouloud! Allez, Benjamin! Ouais, Benjamin! Merci, Benjamin! Bon, les gars, on a une petite mine. Et en même temps, plus de voix. Avec le match d'hier, évidemment, on a donné pas mal de l'autre personne. Petite buvette sympathique, on a fini un peu tard. Petit cadeau aujourd'hui pour Coco, pour le remercier tout simplement de son investissement dans les épisodes. Et en même temps, il mérite avec les gros matchs qu'il fait en ce moment et la montée en Détroit. Tiens Coco. Merci la poule. Merci le bon maillot tout d'abord. Il tue sa mère en vrai. Middlesbrough. Il envoie. Hein. Au début je crois plus calme. Ouais, il envoie rien. Il est propre de ouf. Vous aussi, les gars, commandez votre box. Un bon maillot avec le code de Nodiz. Vous avez 10% de réduction. Oui, il filme. T'es moi comment il a les claquettes sur mon canapé. Il est en vacances, lui. Ah. Hier, en vrai, match complet de notre équipe. Les supporters au top. Ils ont envoyé de la voix. Hein. Franchement, vous avez été top. On marque avant la mi-temps d'une frappe. D'ailleurs, Alexandre, c'était un centre. Il nous l'a dit après. Ah ouais, 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 c'est vrai. La montée en D3, c'est fait. La montée en D1, c'est fait. Plus qu'à aller en finale de Coupe de l'Orne. Dans 15 jours, les gars, on joue la demi-finale face à une D4, donc le Merlereau, équipe à prendre très au sérieux, puisque s'ils en sont là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Donc, on se retrouve dans 15 jours pour le match de demi-finale et je l'espère, une qualification en finale. Les gars, on n'oublie pas, on s'abonne, on like. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement, on a passé un très bon dimanche, nous, en tout cas. Bon rétablissement aussi à Enzo, qui s'est fait opérer avec succès. Ciao les mecs, prenez soin de vous et à dans 15 jours.